Bienvenue sur la chaîne de Sliga. Le premier clash depuis la rentrée, son premier clash depuis la rentrée. Et on peut le dire, tu t'es rapproché de Romano puisque tu étais à 58-59, je crois, Romano, lundi seulement. Et Cédric est à... T'es sûr que j'étais à... Si, lundi, c'était rapproché, il a fait son meilleur score lundi. Ouais. Le suspense est donc à son comble pour ce soir. Ah putain, j'aimerais bien le gagner. On va lui réécarter le trou, voter Romano. La famille, soir, on va tous voter Cédric. Eh bien, on va voir ça dans pas longtemps puisqu'on va attaquer le clash. Est-ce qu'on pourrait connaître les méthodes de drague de ce soir? Ouais, pas de soucis. Bah, vas-y, bon, Cédric, hein. Commence. Je viens de m'inspirer de là ce que tu viens de ah, dire. Ah, bah donc t'avais une méthode bien prête. Non, parce que j'avais une autre méthode, mais celle-ci m'a inspiré. Donc ce soir, ce sera la méthode du prof de sport et qui veut pratiquer, qui veut tester des nouvelles pratiques avec les familles, quoi. Très bien, très bien, très bien. Eh ben. Voilà une bonne méthode. J'espère que vendredi, on ne démarrera pas avec, je ne sais pas, quelqu'un qui. Qui aime trop les animaux. Cédric va nous faire voilà, bon, moi je suis zoophile, ça m'a donné l'idée, on a parlé des chiens. Ça m'a excité. Voilà, bon, non, mais c'est ça un vrai lover, tu sais, ça inspire un petit peu. Ouais, c'est ça, un vrai lover. Mais oui, Cédric, c'est pour ça que tu es dans le clash. C'est ça, un vrai nas qui a pas de méthode quand il arrive. Non, j'avais une méthode, bah, s'il te plaît, tu parles. Toi, bon, moi c'est la méthode, je suis à poil. Très bien, Romano. Sacrée méthode. Tu vas te mettre à poil. Si vous voulez. Pour que tu sois bien dans le trip. J'ai peur que Cédric soit trop excité après. Bon, alors là, putain. Parce que je sais qu'il me kiffe bien. Donc je suis à poil et je voulais aller voir les familles comme ça à poil. Eh ben écoute, très bien. C'est donc ta méthode pour draguer ce soir. Le clash de la drague, c'est parti dans. Non, pas longtemps. Hein. Avant 10h, on attaque le clash de ce soir. Vous pourriez rigoler, quoi. Ah bah ça, c'est j'espère bien. Eh oui, c'est drôle. Bye. Merci Cédric. Ouais, je me marre, moi. Bon, t'as des fuites quand tu ris. Alors, vous attendez le clash. Nous aussi, on va attaquer là pour le clash de la drague. Ouais, vas-y. Bah, je sais pas où en est Cédric. Je sais pas ce qu'il baragouine. Bah, Cédric, il a la méthode du prof de sport ce soir. Très original, parce que. Bah, alors, méthode du prof de sport. Je me suis inspiré un petit peu de toi, du foule. Merci Cédric, mais je suis pas un prof de sport. On voit ton corps physique, ton corps d'athlète. Et Romano, ta méthode est donc... T'es sûr que t'es prêt? Ouais, non, bah, je suis prêt. Non, je sais pas, j'ai l'impression que t'es mal, man. Non, t'es mal. Mec, j'arrive pas à aligner deux mots, cette tête de nœud. Non. Bon, moi, c'est la méthode. En fait, bon, ça y est, je l'ai plus élaboré que tout à l'heure. Ah, parce que t'es un petit peu sans vraiment méthode, quoi. Non, mais si, là, je suis nul, là. En fait, je sors de ma douche et je me suis trouvé très beau. Je voulais aller montrer mon corps nu au fac. Tu t'es trouvé beau en sortant de la douche? Ouais, c'est ça, je suis beau, frais et j'ai envie que les familles en profitent, quoi. Quand tu te regardes dans la glace tout nu, tu te trouves mignon? Ouais, franchement, je suis moins difforme qu'à une période. Ah, tu te trouves plus beau? Non, mais le ventre, c'est ce qui merdait surtout, c'était le ventre. Non, les cheveux. Ouais, non, mais ça, j'ai fait un deuil. Ça, c'est mort, ça. J'ai fait le deuil des cheveux, je sais que ça reviendra plus. Hein. Ah, bah oui, ils sont morts, hein, ça, c'est clair. Sauf s'il y a un traitement miracle, on sait jamais. Vivement le traitement miracle, Moumoute Express. Tu te mets une mousse sur la tête et ça pousse. Ah putain, j'aimerais bien. Hein. Ça mousse, ça pousse. C'est Moumoute Express, le nouveau traitement pour les cheveux. Bah, le jour où il y a un truc vraiment fiable, je le fais, hein, c'est clair. Hein, c'est cher. Hein. D'ailleurs, si vous avez un tuyau pour faire repousser les cheveux, on peut faire des tests sur Romano. Ouais, bien sûr. On parlait des rats hier soir, comme sur les rats de laboratoire, nous on fait des tests. Hein. Ah ouais. Non, mais laisse tomber, je vais attendre la médecine. Bah, on attend la médecine, donc si vous avez des avant-premières sur la médecine des cheveux, n'hésitez pas à envoyer ça à Romano, romano@skyrock.com. Ouais, ça me fait bien plaisir. Oui, et nous on fera des tests en direct et ça sera super. Ouais, on verra ça. Ouais, super. Le clash de la drague démarre maintenant. Alors, un appel chacun, c'est la règle du clash, que le meilleur gagne. Deux méthodes, une pour Cédric. La méthode. C'est laquelle alors? Du prof de sport. Ah, tu restes sur celle-là. Ouais, et l'autre méthode de Romano, je me suis trouvé beau devant la glace et nu. Et j'aimerais venir te montrer mon corps. Ouais, c'est ça, et qu'ils en profitent, quoi. Bon, c'est parti, on y va avec le premier coup de fil. Quelque chose à dire à ton adversaire, Cédric? Bon courage. Bon courage. Ah. Et j'espère que je vais te baiser ce soir, tiens. Très bien, Romano, quelque chose à dire à ton adversaire? Bah écoute, j'espère que tu vas faire comme d'hab. Bon, on appelle le premier. Allô? Allô? Ouais, Philippe? Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, bah qui est-ce? Tu n'as pas de qui? Bah c'est Michel au téléphone. Je t'appelle, je suis prof de sport. Et là, justement. Ouais, bah, j'ai pas le temps. Bah je voulais voir avec ta femme. Bah passe-la-moi, tiens, je vais voir avec elle. Non, j'ai pas le temps. Elle est pas là, elle travaille. Elle travaille? Bah donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Je voulais la faire travailler un petit peu avec moi, justement. D'accord. Je peux m'occuper d'elle ce soir?
Comme d'hab. Tu as suivi les conseils de Romano. Attention, attention Cédric. C'est mal parti, dis donc man. Putain, merde. Eh ouais, Romano, à toi. Voilà. Quoi, voilà? Voilà où on en est. Pourquoi tu rigoles? Essaye de faire mieux, Romano. Bah, j'espère. Ouais, bah, mais te la raconte pas trop. Parce que là, on peut pas dire qu'il ait fait grand chose. C'est qui? Benoît. Allô, Benoît? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, un voisin là. Ta femme est là ce soir ou pas? Qu'est-ce que c'est encore, ce blaireau? Non, parce qu'en fait, je t'explique, là, je suis nu chez moi, je sors de ma douche, et je me suis trouvé très beau, et je me suis dit, tiens, je vais en faire profiter la femme à Benoît. Putain, je voulais passer te voir, là. Bah, tu peux toujours venir, hein. Ouais, tu bah, je vais venir. Bah, bah, ça, j'aimerais bien que tu me branles un peu, ouais. Bah, viens, on va voir. Ah, bah, ouais, tu vas bien me branler la bite. Ouais, ouais. Et puis, moi, je vais m'occuper de ta femme, tranquille. Ouais, ok, ouais. Bah, et tu viens, puis on voit. Éventuellement, après, tu pourras me branler le cul, j'adore. A tout de suite. Oui, allô? Oui, bonsoir, chérie. Bonsoir, c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. C'est Jean-Louis qui? Jean-Louis David. J'ai vu avec ton mari, là, je viens dans 5 minutes nu te faire l'amour. Excusez-moi, hein. Attendez. Dites-moi, c'est qui Jean-Louis? Je sais pas qui, là. Jean-Louis David. Oui, c'est qui? Ouais, moi, je suis un voisin, là. Je vous ai repéré. Vous êtes bien mignons, les deux, là. Elle a vu que j'étais nu chez moi en sortant de ma douche. Je me trouve très beau. Mais vous... de qui vous? Attendez, attendez. Vous habitez où, monsieur? Bah, j'habite pas loin, là. Mais de toute façon, pas de panique, hein, je suis là dans 5 minutes, moi. Dites-moi où vous habitez, s'il vous plaît. Bah, j'habite là, dans la rue à côté, à la maison Volet Blanc. Non, mais ça va pas bien, monsieur. Non, mais je viens dans 5 minutes, de toute façon, c'est vu avec Benoît, pas de problème. Il va. Et comment vous... Attendez, avant de s'énerver, comment vous connaissez? Ah non, mais moi, je m'énerve pas, moi, je suis bien non, content, monsieur, il a dit qu'il allait me branler, attendez, alors. Attendez, monsieur. C'est le pied. Oh, hein. Hey, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oh, bah, monsieur, appelez-moi Jean-Louis. Non, attendez, arrêtez, je sais, vous avez compris, vous avez Jean-Louis, j'ai compris ça. Ah, vous pouvez me tutoyer. Non, attendez, arrêtez. Laissez-moi parler 2 minutes, s'il vous plaît. Ok, vous êtes qui? Vous habitez Audric, en fait? Ouais, je suis là à côté, ouais. Bon, de toute façon, je suis là dans 5 minutes, y a pas de souci. Attendez. Ça... Non, ah bah non, j'attends plus, là, non, j'en peux attendez, plus, moi. Il n'en peut non, plus. Mais, ouais, mais laissez-moi parler. Je voudrais reparler à Benoît, moi, il m'excite. Non. Attendez, dites-moi d'abord comment ça se fait, vous connaissez, c'est qui Benoît pour vous? Ah bah c'est Benoît, je le connais depuis belle lurette. Je le croise régulièrement à la boulangerie. Bon, de toute façon, j'arrive dans 5 minutes, on discutera de tout ça après avoir fait l'amour. Hors de question, parce que moi j'ai mes enfants qui dorment. Ah bah, s'ils dorment, tant mieux, hein. Ouais, bah c'est ça. Il vaut mieux, bah de toute façon, moi je vais faire ma petite affaire avec Benoît, il va me branler, il m'a dit. Il veut pas reprendre le téléphone, Benoît, là? Non, mais vous êtes à plusieurs, de toute façon. Non, non, mais là, je suis avec... Non, attendez, vous êtes... Mais laisse-moi parler, vous êtes... Attendez, monsieur, moi, je vous connais pas perso, Non, non, mais moi, je connais Benoît, il n'y a pas de souci. De toute façon, là, on va se connaître intimement dans 2 minutes, là. Mais bien sûr. Ah, tout de suite, ah, bah, bien sûr, c'est très bien. Mon Benjamin qui est dehors, il vous attend aussi. Ah, bah, très bien, bah, je m'en occuperai aussi. Bien sûr. Un chien, bah, voilà, bah, c'est de mieux en mieux. Ah, c'est un rapport à 4, c'est super. J'adore, de toute façon, les poils, moi. À tout de suite. Ah bah voilà, bravo eh ben Romano voilà. Ouais, j'ai pas l'impression. Comme c'est magnifique, quelle belle histoire d'amour. Toute la famille, bon, sauf les enfants qui dorment heureusement. Oui, oui, là on voit ça. Toute la famille va pouvoir en profiter. C'était merveilleux, quel beau moment d'amour. Bah en tout cas, il est bien gentil, il va me branler. Moi ça c'est vraiment... Bah la femme, elle avait l'air moins que... Tu vois. Bah c'est pas grave, hein. Écoute, ouais. Je me tape un des deux, hein. Ouais. Contrairement à toi qui te tape rien. Et le berger allemand. Ouais, aussi, ouais, dans la cour, il m'attend. Ah t'es dégueulasse. Bah il m'attend, je trouve ça dégueulasse, moi. Ah, c'est pas moi qui dis, c'est eux. Honteux. Bon, voilà pour le clash d'aujourd'hui. Oh non. Bah si, Cédric, regarde. Enfin, un autre tour. Un tour chacun, j'ai dit. Un tour chacun, que le meilleur gagne. C'est un tour de chauffe, ça. Non, il n'y a plus de tour de chauffe. Mais bon, faut arrêter de chauffer la machine, ma gueule. Eh ouais. Vas-y, viens, enfin. Est-ce que quand tu joues au tennis, tu fais un set de chauffe? Non. Bah ouais. Eh bah non, il n'y a pas de set de chauffe. Bah si, tu fais l'échauffement d'abord. Il n'y a pas de tour de chauffe, c'est direct, pam, pam. Allez. Voilà. Quoi? Oh, le stop-le. Eh ben ouais, non, Cédric, regarde, 22h26, trop tard. Moi, juste à moi. Bah pourquoi juste à toi? Juste à moi. Non, mais parce que Difool, il est gentil avec moi. Difool, il est gentil, oui, mais il est pas con comme une bite non plus. Ah, mais j'aimerais bien gagner. Ah non, il est très intelligent, même, monsieur l'arbitre. Il fait respecter les règles du clash de la drague. Bah, allez, viens, on fait une exception. Bon, allez, t'as la déclaration. Ah, ouais, je croyais que t'allais lui laisser un appel. Un appel. Allez, vas-y, mais... mais j'en veux peut-être un aussi. Hein. Ah, attends, on te laisse un appel, Cédric. Vas-y. Tu fais vite. Ah, attends, si tu fais comme le premier, ça va être vite. On va chez qui? Tu fais vite et juste après, vous pouvez... Là, allô? Allô? Ouais, Dominique? Ouais. Comment vas-tu? Bah ça va, nickel. Dis-moi, je t'appelle là parce que je suis prof de sport et je voulais faire un nouveau truc pour la rentrée, toi, des nouvelles techniques des nouvelles pratiques de sport. Oh là là. Et j'aurais aimé essayer ça avec ta femme ce soir. Ouais. Je peux venir à la maison? Ouais, bien sûr, ouais. Bon bah très bien, bah dis-lui qu'elle se prépare, qu'elle se mette dans la chambre. Je vais arriver dans 5-10 minutes, je m'occupe d'elle et puis bah après si tu veux, je te montrerai à toi.
Ouais, t'es qui toi? Bah, tu dis que c'est Michel, Michel le prof de sport. Je vais m'entraîner un petit peu sur son derrière et après je m'occuperai sur le tien, d'accord? Ouais. Bon, bah, très bien, nickel. T'es un gros marrant, toi. Ouais, bah, écoute, tu verras, hein. Je vais te montrer, si tu veux, je pourrais te faire des blagues en te faisant l'amour. Ouais. Bon, bah, j'arrive dans 5 minutes, mon petit chéri, d'accord? Ouais. À tout de suite. Bisous. Bah, pars-toi, t'as une surprise, toi. Ah, tu vas t'occuper de moi, toi aussi? Ouais, t'inquiète pas, ouais. Ah, bah, j'espère bien, alors. Bah, si tu veux, on commencera toi et moi, puis après, je m'occuperai de ta femme, d'accord? Et t'es qui, toi? Parce que je te sens impatient. Je suis Michel, Michel, le prof de sport. Ouais. D'accord. Et plus encore, c'est quoi? C'est qui ça? Bah, tu vas le voir, 1m80, 78 kilos à peu près. Non, 88. Ouais. Ta gueule. 78 kilos, beau gosse, bronzé, les cheveux courts, les yeux marron clair et mytho, une bouche pulpeuse. Ah bah ça oui. Tout pour te faire craquer, mon chéri. C'est bon là, tu vois qui je suis? Ouais. Bon bah, j'arrive à tout de suite, mon amour. Ah voilà. Ah, il a l'air emballé. Voilà, beaucoup de conviction dans ce deuxième coup de fil. Romano, t'en prends pas d'autres? Non, tu restes sur le berger allemand. Ouais, il y a déjà assez de monde dans la partie là. Est-ce que le chien, ça va faire pencher la balance? On va voir ça tout de suite. Top vote, c'est parti. Vous votez. Quelque chose à dire, Cédric? Petite déclaration speed. Bon, ce soir, on vote Cédric, c'est le DLC, le prof de sport. Merci beaucoup, je vous aime très très fort. Et j'ai besoin de vos votes. J'aimerais gagner le clash de ce soir. Merci, je vous aime. Je peux juste chanter? Oui, tu veux chanter quoi? Je vais chanter du rap qu'un riz. Du rap qu'un riz pour Romano et ta déclaration dans la foulée. Hop, alors attends. Et donc vous votez dès maintenant. Ah, c'est la chanson Il faut voter Romano, vous allez voir. Skyrock, premier sur le rap. Attention. Il faut voter Romano, Romano, Romano. 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 Eh bien, ta chanson te servira de déclaration, Romano. Eh bien, ce soir, mes amours, je crois qu'il n'y a pas photo. Moi, Benoît m'attend, il va me masturber. Le devant, le derrière. Et également, bon, il y a la femme qui m'attend et le chien dans la cour. Tu seras bien accueilli. Donc. Toute la famille. Moi, je trouve ça dégueulasse. Eh oui, ce soir. Pour ça, voter, Cédric. Eh bien, pour tout ça, voter Romano, R-O-M-A-N-O. Je crois qu'il n'y a pas photo. R-O-N-O. Allez, votez. 41 Sky. Vous avez jusqu'à 22h33. Bah, juste le temps d'écouter Will.i.am tout de suite sur Sky. Avec This is Love, est-ce l'amour? C'est l'amour. Eh oui, c'est le clash de la drague. Vos votes, donnez votre amour à Romano. Romano. Donnez votre amour à Cédric. Et dans un instant, les résultats là sur Sky. Préparez-vous. Sky. Et ce soir, on est en plein comptage des résultats du clash de la drague. Les résultats qui arrivent dans un instant, Momo compte beaucoup de votes. Hein. Oui, ah bah j'espère. Pour beaucoup pour moi. Vous aimez beaucoup les animaux, hein, d'après ce que je vois sur SMS. Ça. Alex Brézizel, là, qui de Loire-Atlantique, je vous dis je vote pour le baiser de berger allemand. Tu t'étends un peu, mais je prends ton vote. Hein. C'est le message. J'ai une réputation. Hein. Eh bah oui, je lis le message. C'est horrible. Tel qu'il y a. Je vote pour l'ami des bêtes, Romano, message de Matt sur SMS. On va voir qui va gagner. Aussi gros, attends, ça va. Alors, des votes pour toi, j'en cherche quelques-uns. J'en ai trouvé un Nasri. Noémie. Bah, c'est les deux seuls de l'écran. Non, bah, il y en a d'autres, gros. Attends, ça va, regarde, l'inconnu là en bas là. Ah, c'est lui il y en a un sur 20. De toute façon, vous emballez pas, les résultats arrivent. Vous saurez qui va gagner dans un instant pour ce beau clash. Je vote Romano car Cédric a eu deux appels et Romano qu'un seul. C'est injuste. Que fait l'arbitre? Bah, l'arbitre, il arbitre. C'est moi, l'arbitre. Ouais, mais bon. Bah, t'as très bien arbitré ça. À un moment donné, merci, ça sert à rien d'avoir deux appels pour faire quoi? Moi, tu sais, un appel, ça m'a suffi, quoi. Bon, résultat dans un instant. Cédric, on aurait pu lui ordonner 10, bon, a priori. On n'avait pas le temps, malheureusement. C'était pas le soir, quoi. Ah, ok, ouais. T'iras peut-être faire un tour dans la rue tout à l'heure, Cédric. Ouais, rattraper, ouais. Ouais. C'est bien, ça, pas ouais. De galère. On va voir pour te rattraper ou confirmer tes résultats du clash, on verra. T'inquiète. Bon, salut. J'ai les résultats du clash, tiens. Je t'ai pas demandé, t'as préféré qui au clash ce soir? Romano ou Cédric? J'ai préféré Romano. T'as préféré Romano. Merci, Thomas. T'as préféré Romano. Romano, Romano, t'es Romano. Alors, on va voir si t'es d'accord avec les auditeurs et les auditrices de Sky. J'ai les résultats sous les yeux, je vais vous les donner. Cédric, la méthode du prof de sport. C'est ça, ouais. Romano, la méthode de je me trouve beau tout nu dans ma glace, je viens te montrer mon corps à la maison. Et tu pourras l'utiliser. Et tu pourras l'utiliser. Excusez-moi, j'ai eu un rototo. Oui. Un rototo, mais à l'intérieur. Et t'as terminé avec un berger allemand dans ouais, ton... Ouais, c'est ça, ouais, qui m'attend, là. Est-ce que ça t'a porté préjudice, Romano? Peut-être bien que oui, d'ailleurs, l'histoire du berger allemand, puisque les résultats, les voici. Cédric. Ouais. Cédric fait la performance exceptionnelle ce soir. Je gagne. De monter son score à un niveau de 36% des voix. Putain. Romano, 64%. Ah, mais je rebaisse. Victoire. Voilà.
Victoire donc de Romano le chauve. Ouais quoi, ça on s'en branle là, le chauve. Bon bah en tout cas, mes amours, ça fait partie de je crois que vous avez bien compris ce qui arrive. C'est bien chaud, c'est qu'on a encore pété le cul de Cédric. Allez ta gueule. Mais décidément, quand est-ce qu'on va s'arrêter mes amours? Vous êtes super. Eh bien merci, j'espère qu'on fera la même vendredi. Merci à tous. Ça va s'arrêter dans peu. Ça fait bien plaisir, les 36% qui ont voté pour Cédric. Ben changez de camp pour gagner, votez Romano. Et ben voilà, allez, le clash de ce soir, Cédric, ça n'a pas été le bon une fois de plus. Ah non, c'était pas le bon encore, putain. Ça fait deux semaines qu'on est revenu de vacances et qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, gros, il y a un truc. Deux semaines, c'est la moitié d'un mois, Cédric. Bah ouais, ouais. T'es pas resté un mois sans gagner de clash. Bah, je sais pas ce qui se passe. Déjà, comme le disait je sais plus qui tout à l'heure, arrive déjà avec une méthode. Tu seras j'ai moins, des méthodes. Tu seras moins stressé. Gueule, bah. Bon, en tout cas, 36% contre 64, victoire de Romano. T'avais pas de méthode. Toi aussi, t'avais pas de méthode. Qu'est-ce que tu ta gueule, toi, l'autre, tu écoute, Romano, il a fait une photo en casquette de rappeur. Parce que je suis comme ça, je suis dans le rap. Non, moi j'ai des méthodes, j'ai plein de méthodes. Et bah vendredi. Utilise-les, hein. Bah je les utilise, là, sans j'en utiliser. Et bah vendredi, prépare-en une. C'est là, et puis ce soir, tu t'es bien cassé le cul, hein. T'as préparé une petite pour vendredi, je suis inspiré de vous tous et vous toutes. Merci, Cédric. Ouais. Bon, voilà pour le clash du. C'est un vrai le clash de ce soir. Ah ouais, on a vu, ouais. Alors on a vu, et tiens, Cédric, pour te rattraper, on t'envoie dans la rue, là, dans. Allez, 5 minutes. Tu files.